Je suis Sherifatou Antoine, je suis nigérienne et je suis d'origine multiculturelle. Et j'ai un père qui est béninois, une mère d'origine malienne, qui est nigérienne d'origine malienne. Et j'aime beaucoup voyager, et chaque fois que je découvre une recette, j'essaie de la pratiquer. Alors en 2018, j'ai décidé de lancer mon entreprise dans le cadre de la promotion de l'alimentation saine. À ce jour, j'emploie 10 personnes à temps partiel. Tout ça dans le cadre de la promotion de l'alimentation saine. Nos recettes que nous proposons sont des recettes saines et nous donnons des conseils pour bien s'alimenter. La grande fierté, c'est ça. Arriver à satisfaire ce que les gens ont beaucoup plus besoin que de me limiter à ce que moi j'avais comme au début une activité. Parce que toutes ces activités qui se sont ajoutées rentrent dans le cadre de la promotion de l'alimentation saine. Je n'étais pas préparée pour les services, traiteurs parce que ce n'était pas dans mes activités. Et quand j'avais eu la première commande de 30 personnes, j'avais pris ce que j'avais chez moi comme ustensile pour garder la nourriture. Mais maintenant, pour le service, j'ai pris du jetable. Une fois après, ils sont encore venus chez moi, vers moi, pour 60 personnes, et ils m'ont dit de ne pas utiliser de jetable. Je n'avais pas de matériel pour ça. Alors, j'ai réinvesti mon bénéfice pour pouvoir satisfaire les besoins. À mieux s'alimenter. Alors c'est la même chose que je faisais avant, mais je n'ai pas touché un grand nombre. Donc je me dis, l'entrepreneuriat me permet vraiment de réaliser cette idée. Les femmes ont le pouvoir d'amener leur contribution dans le changement positif. À travers cet entrepreneuriat, mon pouvoir d'amener ma contribution pour créer un changement partout, pas seulement autour de moi, mais partout, où les gens peuvent bien manger, bien se nourrir et garder leur bonne santé.